Attention à la vente double, technique utilisée lorsque les prix de l'immobilier évoluent. Par exemple, entre la signature de la réservation à la livraison, ça peut se passer 12 à 24 mois. Et comme en Estonie, par exemple, où entre avril 2021 et avril 2022, les prix ont augmenté de 31,5%. Donc certains promoteurs demandent à l'acheteur une somme additionnelle pour couvrir l'augmentation qui a eu lieu entre ces deux signatures. Sinon, ils les menacent de se désister et de vendre la propriété à un acheteur qui est déjà trouvé. On va voir dans cette vidéo quel est le contour de cette pratique, comment vous en prémunir pour éviter que vous perdiez du temps, de l'argent potentiellement. Et si vous demandez qui je suis, eh bien, je suis Romain Armato, PDG de Life Invest. Et si vous voulez apprendre à investir à l'étranger pour sécuriser et diversifier votre patrimoine, payer moins d'impôts, avoir davantage de rentabilité, je vous invite à aller sur lifeinvest.eu. Tout d'abord, il faut savoir que se désister d'un contrat de réservation n'est pas si facile que ça. Généralement, dans le cadre d'un investissement immobilier neuf, l'acheteur et le vendeur signent un contrat de réservation au moment duquel 15 à 20% du montant total de l'acquisition sont versés au titre de la réservation. Et si une partie est décidée de se rétracter, exemple, le vendeur décidait de ne pas livrer le bien à l'acheteur, eh bien l'acheteur serait en position de se rétracter du contrat et de demander une indemnité. Et il faut savoir que dans ce cas mentionné, le vendeur, lui, ne peut pas désister puisque c'est lui qui n'honore pas le contrat. Hein, uniquement la partie qui est lésée a le droit de se désister dans le cadre d'un contrat de réservation. Mais sachez toutefois que la vente double est légale, même si elle peut être caractérisée de fraude. En effet, lors d'un contrat de réservation, l'acheteur n'est pas officiellement enregistré au registre foncier. Hein, c'est uniquement après la signature de l'acte définitif de vente qui est enregistré la propriété. Donc même si un contrat de vente est initialement conclu entre le vendeur et l'acheteur qui garantit l'acheteur d'avoir accès à l'appartement au prix indiqué dans ce contrat, eh bien la vente n'est pas officiellement enregistrée au registre foncier. Donc l'acheteur ne devient pas propriétaire au registre foncier suite à la signature de la réservation. Ça peut être uniquement fait dans le cadre d'une inscription préalable au moment de la réservation, au moment des 15 à 20%, donc de la première signature, afin que le vendeur s'empêche le droit de revendre à une autre personne et donc d'éviter la vente double. Mais il faut savoir que la plupart des vendeurs privilégient les acheteurs qui se contentent d'une vente traditionnelle, d'une réservation traditionnelle sans inscription préalable, puisque ça implique des subtilités légales. Donc même si une vente double n'est pas directement illégale et que les notaires ne peuvent rien y faire, et il faut savoir qu'elle peut être considérée de fraude. Dans le cas où un promoteur vend sciemment le même bien à plusieurs personnes et qu'elle peut naturellement pas honorer ses engagements, c'est-à-dire de livrer le même bien à différentes personnes. Et là, ça peut être caractérisé de comportement criminel, donc de fraude. Donc si quelqu'un était victime d'une vente double, il est possible de demander compensation pour le temps et le manque à gagner, l'argent perdu hein, et d'en informer la police pour comportement criminel. Vous pouvez peut-être vous demander aujourd'hui comment éviter la vente double. Eh bien, il est important plus que jamais de faire ses recherches, son enquête à propos de la fiabilité du développeur, du promoteur. Est-ce que le promoteur est une personne fiable qui a un track record de promotion achevée avec des investisseurs honorés qui ont reçu leur propriété, ou bien est-ce que c'est une nouvelle société qui vient de voir le jour et qui n'a pas de retour suffisant pour estimer si c'est une personne fiable. À savoir aussi que certains promoteurs avec une expérience de plusieurs dizaines d'années dans le métier créent des sociétés annexes, des personnes morales différentes pour chaque projet immobilier. Donc est-ce que ça doit être considéré à risque? Et c'est également utile de vérifier les personnes, les sociétés qui sont liées au projet immobilier dans lequel vous considérez investir. Hein, est-ce que de sources publiques sont des personnes fiables ou bien au contraire, est-ce qu'elles font partie de la liste rouge de certains gouvernements? Et vous pouvez également vérifier si le promoteur conserve des biens dans l'immeuble. Alors ça requiert de la recherche de fonds, mais si c'est le cas, ça peut vous donner une indication comme quoi eh bien, vous serez copropriétaire, donc vous déciderez
sur des intérêts communs au niveau de la gestion immobilière de la copropriété, des décisions qui sont à prendre et plus globalement de la solidité du projet, puisque eux ont les mêmes intérêts que vous de sortir le projet et d'en faire du cash flow positif et une opportunité qui se revende avec un gain sur capital. Et c'est en suivant cette même stratégie qu'avec Life Invest, on a supervisé plus de 23 biens immobiliers dans la région des Pays-Baltes et principalement dans l'immobilier neuf, quasi exclusivement dans l'immobilier neuf, et qu'on a eu zéro double vente, même si on investit dans un environnement qui s'apprécie fortement année après année, comme le cas de l'Estonie par exemple, qui est la plus forte augmentation des prix de l'immobilier au mètre carré d'Europe, et le cas plus récemment de la Lettonie avec Riga qui augmente de 7% par an ces 10 dernières années. Donc en suivant cette feuille de route, ça vous permettra de vous prémunir de la double vente. Effectuez bien vos recherches, surtout dans un environnement où le coût du capital est de plus en plus élevé avec les taux qui augmentent et où les coûts de production augmentent aussi liés aux perturbations sur les chaînes d'approvisionnement. Donc ça peut avoir une influence directe hein, sur la stabilité, sur la stabilité financière et sur la solvabilité des promoteurs, encourageant potentiellement ce type de comportement. Donc attention, et pour ceux qui investissent à l'étranger pour multiplier leur capital plus rapidement et sécuriser une partie de leurs avoirs à l'étranger, eh bien rapprochez-vous de professionnels qui connaissent l'environnement juridique et qui ont accès à un réseau de partenaires vérifiés. Si ça fait sens pour vous, je vous invite à rejoindre Life Invest Heritage, cours en ligne qui vous apprend à investir à l'étranger avec succès, sans vous tromper. Inclus, vous allez avoir accès à la liste privée Life Invest, des annonces triées sur le volet de partenaires vérifiés et aux meilleures rentabilités, dans lesquels nous investissons nos fonds propres hein, régulièrement, et que je vous invite à découvrir en rejoignant le programme sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez obtenir un accompagnement personnalisé fait pour vous, accompagné par moi à chaque étape de votre investissement en langue française, eh bien découvrez Life Invest Elite. C'est un package d'investissement clé en main qui couvre le sourcing immobilier jusqu'à la rédaction des bons contrats, la signature chez le notaire, jusqu'à la rénovation, la gestion locative et la revente éventuelle du bien. Donc, je vous invite à découvrir cela également en description ci-dessous. C'est disponible à partir d'une étude de cas personnalisée, le Life Invest Case Study, consultation privée d'1h30, à partir duquel on va pouvoir dresser un plan d'investissement adapté à votre profil d'investisseur. J'ai hâte de pouvoir vous accompagner. C'est limité à 4 personnes chaque mois. Et je vous invite également à découvrir cela en description ci-dessous. Hâte de vous accompagner. Merci pour votre attention et à très vite de l'autre côté. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider? 3 possibilités. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne jamais manquer une de mes nouvelles vidéos. La seconde, munissez-vous d'un exemplaire de ce livre bleu, Opération Silicon Valley UE. J'y ai résumé mes années d'expérience à entreprendre et investir en Estonie et les stratégies exactes que vous pouvez mettre en place pour établir votre plan d'action Life Invest. Et enfin, si vous avez un besoin urgent, si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution dès maintenant, que ce soit pour payer moins d'impôts, pour développer votre entreprise, votre patrimoine plus rapidement ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer, allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes.